Donc là, on va prendre le câble. Je vais rentrer les airs au frein. Et ensuite, quand on sera prêt, bah, je ferai envoyer le... Ça, ça chauffe tout de suite hein, là-dedans. Hein. Le Saint-Anne, un poulet rôti. Allez. Ouais, c'est les... Mais tu vois, dès qu'on va voler, ça va prendre de l'air, ça va faire du bien. Alors, le câble est tendu, aérofrein fermé, verrouillé, verrière fermé, verrouillé, manche à air observée, piste dégagée, c'est bon pour moi, on est parti. Chose à dire là-bas, c'est Paris, c'est ça? Ouais. Ok. Là, le nord est là-bas. Tu vois, l'avion il monte, il descend parce qu'il traverse des zones qui montent et qui descendent. Okay. Pas de problème. Je viens de dire le nombre en ligne 14.
la... Tu sens les petits coups de cette dingue là? Ouais. Donc ça, on va essayer de tourner là-dedans. Donc là, ça descend. On est sur moins 2. Tu vois le petit moins 1 que tu as là? Ouais. 0. Ça c'est, la, ça, c'est le taux de montée en mètres par seconde. Ok. Ok. Donc tu as à gauche l'altitude, au milieu la vitesse, pardon, à gauche, au milieu l'altitude. Et ensuite, c'est le taux de montée, celui où il y a écrit Winter. Un peu le petit qui est écrit Winter au centre, ouais. Avec les petites aiguilles qui montent entre le, avec les 1 de chaque côté. Ça, c'est le variomètre. Okay. Ça, ça nous dit si on monte ou si on descend. Et c'est avec ça que nous pouvons chasser le... Donc nous, on va aller chercher un endroit où ça monte. Okay. Là, pour l'instant, ça descend. Tu vois, on descend à presque 2 mètres secondes. Donc on va aller chercher un endroit qui monte. Ça va être plutôt par là-bas. Donc on va regarder les nuages autour de nous. Tu vois, pour que ce soit un beau nuage. Et là, on va en trouver, tu vois, il y en a un petit peu plus à 1 heure de nous, au-dessus. Et il y a des chances que ça monte par là-bas. Donc on va aller voir. Vertical d'échangeur, là, toujours en spirale droite, j'arrive à 1000 mètres, là, pour l'instant. Ok, moi, je suis secteur Pont-sur-Yon. Ok, ça donne quoi, t'es à quelle hauteur, toi? Je suis à 600 mètres, c'est pas très bon, donc je vais retourner, on a passé une pente, là, vers les carrières. Alors, c'est un peu la galère, par contre, au-dessus, c'est fabuleux, hein. Y'a pas besoin d'en rouler beaucoup, hein. Alors, on va essayer de chercher un petit peu. Virage là où ça monte, ok. Ouais, tu sens ça pousse là. Ouais. Voilà. Donc moi je cherche les thermiques, je me mets dedans et on va monter. Donc là on est à 550 mètres, on va dire. On va essayer de monter à 1000 mètres là. Comme ville à droite, oui, il y a toute la rivière là, qui monte. Il y a une grosse ville au fond, là. C'est Montfaucon. Donc c'est à mi-chemin entre Paris et ici. Okay. Après, c'est la forêt, la grosse forêt que tu vois au fond, c'est la forêt de Fontainebleau. Je ne sais pas si vous êtes allé faire un peu d'escalade ou Marseille. Je connais. Je. Ouais, bah, la grosse forêt que tu vois là-bas, c'est Fontainebleau. Voilà, donc la grosse forêt de Paris, puis bah, derrière Fontainebleau. Ah ben c'est pareil. Ça, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, on est à 1000 mètres. Ça monte en ligne droite, là. Je ne sais pas si vous y êtes allé là-bas, pour des pommes.
Ok. C'est très brouillard, tu vois, il y a une espèce de brouillard là aujourd'hui. Un peu là, bon, les rayons du soleil et tout, c'est très humide là. Il y a beaucoup, beaucoup d'humidité dans l'air. Là, ça monte en ligne droite là. C'est possible? Ah, oui, oui. On va y aller. Allez, on y va. On trouve un endroit où ça monte bien, et on y va. Monter jusqu'au nuage. Des ascendances, c'est les nuages. En fait, ces nuages que tu vois là, en fait, c'est l'humidité qui monte et puis qui condense à une certaine altitude parce que l'air devient trop froid. Donc, comme l'air froid n'arrive pas à garder de l'humidité, et ben ça fait comme sur un verre de bière en fait. Ça fait des petites gouttelettes d'eau. Okay. C'est comme ça que les nuages se forment en fait. Ces nuages là, hein, ça c'est des cumulus. En fait, c'est le cumul de l'humidité qui monte dans l'air. Ça c'est des nuages d'ascendance. Après ceux qui sont au-dessus, ils servent à rien pour nous. Minutes.
sont pas physiques ici. C'est bon, hein. C'est bon. Ouais. Comme on parle le français, c'est pas hein. Ouais. J'essaie de parler pas trop vite. Merci. On peut parler anglais. Non. Là, on va aller chercher l'endroit où ça monte. Alors, tu vois, là, il y a en haut à droite, il y a un petit peu de. Tu vois, des petits. C'est comme du poisson. Ça, ça marque un peu l'endroit où ça monte, normalement. Donc, on va aller regarder. À mon avis, tu vois, déjà, là, ça commence à monter un petit peu. C'est par là-bas que ça se passe. On va voir un peu comment ça se passe. Là. Ouais, je veux aussi de ma vérité. Tu vois, c'est beaucoup d'observations de planeur. Hein, de regarder un petit peu, c'est d'habitude. On est presque à 3 mètres dedans. On n'a pas pour longtemps à aller en plafond. Hein. 3 mètres, ça monte bien. Donc, c'est comme ça qu'on voyage en planeur. Donc on cherche des endroits qui montent. Et puis on se déplace à 200, 250 jusqu'à l'endroit où on veut. Après, on monte. La finesse du planeur ou le glide ratio, c'est 50.
redescendre. On va aller se poser en fait. Tu vois, on va longer l'autoroute. Tu vois l'autoroute qui est en dessous de nous? Ouais. On va le longer. On fera un virage à 90 à gauche. Et puis ensuite, on ira se poser sur la piste. Ok. Ok. Là, j'ai sorti la roue du train. Là, on est encore trop haut pour descendre. On a sorti les aérofreins. Tu vois, regarde sur les ailes, on a les aérofreins qui sont dehors. Hein. Ça nous ralentit. Et puis ensuite, on va faire ce qu'on appelle la vente arrière. On va remonter l'autoroute. Et ensuite, on descend. Ouais.